Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Ce matin, je lance sans VPN mes games parce qu'on va s'entraîner pour les Worlds et j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de niveau dans les parties. Ça change absolument rien, il n'y a toujours pas de niveau. Je te laisse regarder, like, commente, abonne-toi. Vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a des Ross qui courent absolument dans tous les sens? On est sur de la game sans VPN, chat, à sec. À ce qui paraît, il y a des gens qui sont bons. J'ai mis quand même de sérieux doutes. J'ai pas encore pris mon café, je leur laisse une chance au mec. Oh mon bro, oh bro. Bien joué, bro, bro. S'il y a une place dans ton équipe, bro. 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 Oh bro. Tiens, vraiment dans la maison, le mec? Batman. Vous voyez la différence entre les lobbies avec ou sans VPN? C'est pas tant le niveau qui est différent, c'est le fait de jouer sa vie ou pas. Les mecs tryhardent leur vie. Et ils prennent que des positions de merde, mais au final ils sont nuls, tu vois, ils sont... C'est pas une question de skill, c'est une question d'apprécier le jeu ou pas. Oh bordel, Batman sans du 23 là. C'est encore le même demeuré hein. Jésus officiel. Je viens de tuer Jésus officiel, chat. Je viens de retuer Jésus, chat. En fait, ouais, c'est vraiment une histoire de concentration, ces lobbies. Et de tryhard. Bon, ça, ce genre de lobby, ça va être bien pour que je m'entraîne avec mon équipe. Mais sinon ça sert vraiment à rien. Yeah. Le pire, c'est qu'ils streamhack les mecs. Hein. C'est ça le plus moche. T'imagines que le mec là, il streamhack autant qu'il peut, ça doit être Batman, tu vois. Je suis mort. Il s'est fait voler le kill. Tatanus, si tu peux modérer. Vu que t'es là. Bro, bro, bro. Première fois de ma vie que je me retrouve dans le même lobby que toi. Ce mec que tu as tué, je suis impossible, c'est toi. Puis je suis allé vérifier si c'était bien toi. T'inquiète, la triche. Non merci, c'est pas mon truc. Je te crois le tout puissant, t'inquiète. Je joue sans VPN là, donc c'est normal. J'ai entendu tirer les gars par là. Et là je vois rien.
Est-ce qu'il y a un mec qui joue sa vie à la mort ou est-ce que les deux sont morts? That's the question. Je crois qu'il y a un mec juste derrière le cadre. Quoi? Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que je viens de faire, chat? Je vais gerber. C'est quoi ce truc? Oh là là. Oh là là. Oh, juste pour rigoler à la limite. C'est vraiment un sniper de merde. Oh là là. Oh, je peux pas. Ah yes. Situation de 1v1 finale, les gars, dans un lobby de type tryhard en mode première game de la journée. On peut remarquer que un joueur est en bas. On le craque. Le fils de pute. Et on le fait queener, chat. Vous savez comme c'est. Honnête. 14 kills. Un peu trop simple. À la vôtre, chat. À la vôtre. Buvons du seum de Frenchy ce matin. Bah, GG. Bien joué, toi. Bien joué. Je te remarquais pas du tout. Ouais, je me suis douté. Tu t'as... Dès que tu m'as repéré, par contre, Batman, t'as voulu me fumer. Bah, en fait, j'étais en train de looter et je sais pas, t'es venu et du coup, je me suis dit, je vais essayer de le jeu, mais tu m'as donné au lit. Tu m'as mis une jolie flèche. Il me semble. Et c'est toi la flèche, on est d'accord? Non, c'est pas moi. C'est pas toi? Putain, il y a un mec qui m'a. Je pensais que c'était toi qui m'a traqué à la flèche. Bah, GG en tout cas, les mecs. Hein. Bah, GG à toi surtout. Bah, le dernier était super nul, t'inquiète. Allez, bisous frérot. Ouais. Allez, bisous. Let's go! Vous savez comme je suis, chat. Let's go!